Salut à tous et à toutes, c'est Changeling 1988 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer la montée dans nos divisions avec mon équipe belge. J'ai eu un petit souci parce que j'ai fait deux matchs la fois passée et j'ai oublié d'enregistrer le gameplay. Donc j'ai l'image mais j'ai pas le gameplay, donc ça sert à rien, je suis vraiment dégoûté parce que c'est vraiment entre guillemets du travail pour rien. Donc également, ben, comme vous pouvez le voir, j'ai encore fait une victoire et une défaite. Donc j'ai 3 points sur 9, autrement dit c'est très très mal parti au niveau de la division 5. Mais on ne perd pas espoir évidemment. Alors il y a eu également du changement dans mon équipe, parce que Kevin De Bruyne, je ne le trouvais pas exceptionnel malgré son 88 de général. Et donc j'ai décidé de remettre Witzel à sa place et de remettre Fellaini dans l'axe pour récupérer les ballons, etc. Il est bien meilleur. Et donc, De Bruyne, je l'ai simplement revendu. J'ai ouvert des packs avec et j'ai eu que de la merde. On va partir pour le premier match. C'est parti! Il semblerait que nous ayons trouvé un adversaire. Voyons son équipe. Alors, Jamie Vardy, Fegouli et Sterling au milieu. En haut, ça, en attaque, ça c'est extrêmement rapide. Avec Yaya Touré en MC, très très fort pour la défense. Avec David Luiz, Marcelo, Koscielny, waouh, très bonne équipe. Et Begovic, je crois, au goal. Très bonne équipe, très compétitive, beaucoup de physique. Et très très rapide en niveau attaque. On va essayer de se démerder. Sur le poteau, la première femme est réparée sur Mertens à côté. Oh là 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 là. Oh non. Relax. Continue. Witzel, la grosse frappe. La grosse frappe caca. Waouh, la grosse perte de balle. Oh là, mais ça. Oh là 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 là, et voilà, un partout pour les poteaux. À Witzel. Pour Lukaku. Oh, ouh. Oh putain. Et voilà, c'est la mi-temps les amis. Première mi-temps, bof bof. Mais voyez que j'ai 6 tirs et lui 2, mais ce sont des tirs un petit peu approximatifs. On est parti pour la deuxième mi-temps. C'était très très chaud. Putain, mais passons toutes calculées. Oh, la grosse robe d'Eden Hazard. Bien joué. N'Golan. Oh, Mertens. Tu la loupes pas celle-là! Non! On a mis le bon, on a mis le bon! Lukaku! Oh, sur le poteau! Lukaku! N'Golan, la grosse frappe! Ah! Il m'a déjà habitué à mieux, hein, ce petit N'Golan. Ah, coup franc! Ça, c'est intéressant! Avec Hazard en plus, juste ici. Oh, 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 comme elle était belle! Manquait un brin de puissance. Oh là là, Witzel, tu t'es loupé là-dessus. Regardez bien quelque chose. Oh non, laisse jouer. Voilà la fin du match, les amis, sur ce score de 0-0. J'ai eu des très très bonnes occasions, mais je n'ai pas pu les concrétiser. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que je dois faire pour les concrétiser. Est-ce que vous faites quelque chose de mieux que moi ou de plus que moi? Avec cette magnifique frappe de N'Golan qui termine sur le poteau. Begovic était bien sûr battu. Ah oui, j'ai quand même bien bien dominé ce match avec 12 tirs pour 4 cadrés, pardon. C'est dommage. Un seul point. Donc après 4 matchs, j'ai 4 points sur 12. Ce n'est vraiment pas fameux. On enchaîne tout de suite pour le deuxième match. C'est parti pour le deuxième match, les amis. On va mettre une petite carte forme à mon équipe. Parce qu'ils sont un petit peu sur les genoux. Et on recherche un adversaire.
Adversaire trouvé. Voyons un petit peu son équipe. Avec Rémi et Payet. Moreno, Cabaye. Je connais pas tout le monde. Begovic, Klein. Ouais, une équipe, soit dit en passant, plutôt banale. Mais compétitive, je vais dire ça comme ça. De toute façon, vous voyez bien que je galère déjà avec des petites équipes. Alors avec des... comme celle-ci, je vais sûrement galérer comme un porc aussi. Hein. C'est parti, on se retrouve pour les meilleurs moments du match. Pour récupérer le ballon, Witzel la grande frappe. Première frappe d'Axel Witzel, pas mal du tout. Corner pour Lukaku. Oh, c'était cadré. Frappe de frappe pour Lukaku. Ouh là là, ça passe vraiment pas loin. C'est ça mon plus gros problème, j'ai des gros soucis de finition. Oh, le mauvais crochet de Witzel. Mertens. Oh, poteau, mais c'est pas possible. Allez, Lukaku. On cherche Fellaini. C'est pas grave. Oui, Fellaini. Je vous dis que Fellaini est exceptionnel dans ce jeu. Que n'y arrive pas avec sa tête. C'est pas grave. Il essaye avec son pied dans un angle absolument impossible. Boum. Oh là, il me laisse le boulevard. On va jusqu'au bout avec Mertens. On va pas jusqu'au bout avec Mertens. On va pas jusqu'au bout avec Mertens. Corner pour Lukaku au premier poteau. Elle est belle. Oh, sur la barre transversale. Oh là 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 là. Super. Ah non. Je vais finir par m'en prendre un sur une bête occasion comme ça. Hein. Vous allez voir. Et voilà, mi-temps les amis, 1-0. Oui, je vais dire, je dominais quand même les 10 premières minutes du match et après ça a été plutôt équilibré, même si je trouve que je joue bien mieux que mon adversaire. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Witzel. Oh là 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 là, belle occasion avec une très belle succession de passes. T'es sérieux là? Mais quel con. Quoi? Ça, c'est Évidemment, bravo à lui. Très très beau but. Quand je pense que j'ai eu une latte et un poteau. Mais c'est pas possible! Pourquoi tu t'arrêtes, putain? Fais chier avec leur passe à 2 francs. Ben les amis, maintenant je suis dominé dans ce match. Fin du match, encore un match nul. Ça commence à me gonfler. Et voilà, une latte, un poteau. Et malgré tout, il a fait beaucoup de frappes, hein, c'est certain. Je crois qu'il a même un peu plus de frappes que moi. Mais oui, vous voyez. Et ben je suis un petit peu dégoûté les amis, mais c'est pas grave. On se retrouvera pour une prochaine vidéo pour voir si je continue à prendre des... petit point pour l'instant, à mon avis, on va jouer le maintien pour cette division. On verra bien plus tard et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Ciao !